Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça, on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Le plus grand mystère de l'histoire du rap a été résolu. On sait enfin qui est l'assassin de Tupac. Et on est aussi en mesure de pouvoir retracer plusieurs connexions. Par contre, il existe encore plusieurs zones d'ombre. Et parmi ces zones d'ombre, il y a potentiellement le plus grand scandale de l'histoire du hip-hop, ok? P. Diddy. P. Diddy est souvent cité parmi les potentiels commanditaires de l'assassin de Tupac. Et en réalité, lorsque tu mets ton nez dans cette affaire, c'est pas totalement déconnant. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que d'abord, je vais vous retracer en détail la soirée qui a mené à l'assassinat de Tupac. Je vais aussi vous parler de son état d'esprit les jours précédant sa mort. Et dans la deuxième partie, je vais revenir sur le complice du meurtre qui a permis que cette affaire puisse être élucidée. Et enfin, on va essayer de comprendre comment P. Diddy est lié à tout ça. Yo tout le monde, ici c'est Major et c'est un nouvel épisode d'Affiliated. Alors là, il n'y a pas plus Affiliated que cet Affiliated, d'accord? Donc c'est même, j'ai envie de te dire, l'essence même de pourquoi j'ai commencé à créer cette série de vidéos. La street, le rap, tout s'entremêle, c'est vraiment une dinguerie. On pourrait en faire une série et je pense que dans 20 ans, on en parlera encore. Pour l'occasion, je me suis habillé très années 90 avec une petite chemise un peu, tu vois, brillante, tout ça, un peu moulante. Un truc un peu à la Tupac, tout ça, c'est un truc que je porte en été. Mais bon, là voilà, on est quand même dans une vidéo particulière. Et pour accompagner tout ça, j'ai une super montre que Nixon m'a offert. Donc Nixon a fait une collaboration avec Tupac, elle est toute noire, elle est assez épaisse. En fait, il y a toute une collection, il y a plusieurs produits. Et moi, j'ai reçu le modèle le plus gros. Je le trouve vraiment stylé, mais il est vraiment imposant. Le modèle est tout noir avec des petits détails en or. À l'intérieur, tu as même Tupac et tout. Alors, c'est pas un partenariat rémunéré, c'est juste ma manière de remercier Nixon de m'avoir envoyé ce produit-là. Et je me suis dit que c'était la vidéo idéale pour vous en parler. NordVPN sponsorise cette vidéo. Hey, Shug, comment ça Snoop et son long corps? Et moi, ça me fait encore pirater nos cartes de crédit à l'hôtel. T'inquiète, j'ai une solution pour toi, je vais gérer. Une solution pour moi? C'est quoi ça encore? NordVPN, avec ton crâne chauve. Pour récupérer tes sous, je m'en occupe. En attendant, prends NordVPN, c'est le meilleur VPN du game. Le fake Shug a raison. NordVPN est un excellent moyen pour rester low-key dans les rues d'Internet et surtout ne pas se faire braquer. Car le logiciel chiffre ton adresse IP et toutes les données personnelles pour que tu puisses naviguer en toute sécurité. Selon une étude de NordVPN, un voyageur sur 4 se fait pirater en utilisant une Wi-Fi publique lors d'un voyage à l'étranger. Et aussi autre chose, pour ceux qui cumulent les mots de passe ici et là, qui savent plus trop comment les gérer, il existe NordPass. Alors NordPass, c'est disponible uniquement dans le pack avancé de NordVPN. Cette fonctionnalité te permet de créer des mots de passe uniques et forts et de les stocker en toute sécurité au même endroit. Donc fini les mots de passe uniques pour 10 applications. Non, maintenant avec NordPass, tu peux tous les ranger au même endroit en toute sécurité à l'occasion du Black Friday. Profite d'une énorme remise et de 4 mois offerts sur ton abonnement de 2 ans. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse aller en profiter. Installe ça, ok? Ok, j'installe ça. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. All these suckers, they battling off the east and west like this is a game. This ain't no game. Anybody go to jail, come out, they got good luck. Voici trois moments capturés en vidéo qui ont précédé l'assassinat de Tupac. Si on devait décrire Tupac les jours qui ont précédé sa mort, ce serait sulfurant. En effet, tous les événements notables auxquels il a participé étaient à deux doigts de partir en sucette. Et parmi ces événements, on se rappelle des VMAs à New York, où il a notamment confronté Nas. Et cet événement-là aurait pu se transformer en bain de sang. Je t'en ai fait une vidéo il y a quelques années. Je t'invite à aller la voir, elle est vraiment très intéressante et ça te permet de comprendre
comprendre dans quel état d'esprit ils étaient au milieu des années 90 en pleine guerre East Coast, West Coast. L'opportunité est d'overthrow le gouvernement que vous avez maintenant, qui est Bad Boy et Nas et tout ça bullshit, et nous allons apporter un nouveau gouvernement ici qui va feed every person in New York. Tupac, dans cette période-là, était tout feu, tout flamme, prêt à en découdre avec n'importe qui. En même temps, il faut dire qu'à ce moment-là, il était sur le toit du monde. Il venait de sortir All Eyes on Me, qui a connu un succès planétaire. Il avait derrière lui le plus gros label du moment, avec à sa tête l'un des plus gros caïds du game, Shug, sans parler des Mob Pyro qui les accompagnaient absolument partout. Ce comportement sulfureux de Tupac n'est pas le seul trait de personnalité que les proches ont remarqué de lui les mois précédant sa mort. Alors d'après certains de ses proches, il agissait comme s'il savait qu'il allait mourir. Alors ça c'est de notoriété publique, mais c'est important de prendre quelques exemples pour que tu puisses vraiment te rendre compte. Alors le premier exemple, il est assez connu, Tupac enregistrait énormément de musique les mois précédant la fin de sa vie. Et d'ailleurs, il évoquait souvent sa mort dans la musique. Alors ça c'est quelque chose qui est relativement connu. It's always talking about death. Don't forget you could die. You could die. I could die. We could die. I'm gonna die. Pac would have dreams too. He would, you know, he would wake up screaming and shit. Really? He felt he was gonna die soon. Yeah. Il y a aussi autre chose d'assez particulier que peu de gens savent. Napoléon, un membre de Outlaws, bon, dans Outlaws, ils avaient tous des noms de dictateurs ou alors d'empereurs, et lui, c'était Napoléon. Et donc, Napoléon racontait que Pac avait un comportement étrangement généreux. Par exemple, il lui avait offert plusieurs bijoux de sa collection, dont une Rolex. He called me to his room, and he had all his jewelry laid out. And I was like, Pac, what's up? And he was like, grab something. I'm like, grab what? Because I don't... You know, this is the first time he act like this. He's like, grab some of the jewelry. Whatever you want, take is yours. And I went into the hotel lobby. Gaddafi and Edie was out there. He was like, what Pac wanted? Why he called you to the room? I was like, man, Pac acting weird, bro. He just put all the jewelry down and told me to take his jewelry. Aussi, il fait acheter des appareils photos et il demande à ce qu'ils prennent un maximum de photos tous ensemble pour créer des souvenirs. He made us walk around and take pictures. He's like, we need pictures for memories. We don't have enough pictures with each other. La soirée du 7 septembre 1996 à Las Vegas, Tupac, Shug et toute une équipe de Death Row se rendent au combat de boxe poids lourd tant attendu. Mac Tyson contre Bruce Seldon à l'hôtel MGM. Tout le gratin du show business était au rendez-vous. Dès la sonnerie du premier round, Tyson domine totalement son adversaire. Tupac, qui était pour Tyson, était loin d'être dans la discrétion. Je dirais même qu'il était survolté. D'après les personnes qui étaient sur place, il n'arrêtait pas de se lever, de crier, d'insulter Bruce Seldon. Bref, il était vraiment dans le match. He was yelling at the referee to the point where the referee could hear him. He was calling the other guy a bum. It was like he was going off. Au bout d'une minute 49, le combat prend fin. Mac Tyson gagne par KO technique. C'est l'un des combats du championnat des poids lourds les plus courts de l'histoire de la boxe. Après ce combat, tout le monde était excité, tout le monde a sauté sur Mac Tyson, dont Pac et Shug. Tyson, and Tyson really could not have answered them in a more emphatic manner than he has done in the ring at the MGM Grand Garden in Las Vegas tonight. Alors comme tu peux le voir dans les images, Pac était toujours aussi excité après le combat et lorsqu'il arrive dans le lobby de l'hôtel, son énergie a d'ailleurs été capturée par les caméras qui étaient présentes. Je crois savoir ce qu'il ressentait à ce moment-là. C'est un petit peu comme quand tu sors d'un film sur les arts martiaux, t'as vu des gens se taper, etc. Toi aussi, t'as envie de te taper. Donc, il avait tout ça en lui, quoi. Je pense qu'il bouillonnait. Sauf que lui, il bouillonnait, mais c'était devenu presque négatif. Quand je dis presque, c'est un euphémisme. Hein. À partir de là, les choses commencent un petit peu à mal tourner. Alors que Pac et Shug marchaient dans le lobby de l'hôtel, Trayvon Lane, un mob pyro du groupe, leur signale la présence d'un ennemi. Un mec qui, quelques mois plus tôt, l'avait dépouillé de sa chaîne Death Row alors qu'il était dans un centre commercial. Son nom, Orlando Anderson, aka Baby Lane, un Southside Crip de Compton. And someone says, isn't that Orlando Anderson, the Crip that stole our boy's Death Row medallion the other day? Alors il faut savoir que les Mob Pyro étaient déjà en guerre avec les Southside Crip de Compton. Lorsqu'en plus de ça, il y a une chaîne qui a été dérobée, dans le rap US, lorsque tu dérobes la chaîne d'un rappeur, c'est une déclaration de guerre. Donc à partir de ce moment-là, tous les éléments étaient réunis pour qu'on ait un cocktail explosif.
deux gangs rivaux, dont un gangster qui veut se venger et un Tupac bouillant comme jamais qui veut se défouler. Survolté et enclin à se battre, ce dernier se dirige avec son entourage sans hésitation vers Orlando Anderson et l'homme se fait tabasser sans sommation. La sécurité du MGM Hotel finit par intervenir et stoppe la bagarre. Tupac, Shug et les autres partent à toute vitesse du lieu de l'incident. Orlando, lui, sera interrogé et restera muet quant à l'identité de ses agresseurs. Quelques minutes après l'interrogation, le creep finit par s'en aller sans même que la sécurité de l'hôtel ait pris son nom de famille. Ça, c'est quand même dingue. Deux heures plus tard, Pac, Shug et leur entourage sont retournés à l'hôtel pour se changer avant d'aller au 662, une boîte qui appartient au patron du label. Alors habituellement, pour y aller, il y a tout un protocole, tu vois, ils font en sorte de se protéger parce que quand tu fais partie de Death Row, tu as énormément d'ennemis. Mais ce soir-là, ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté. Peut-être qu'ils se croyaient à ce moment-là intouchables, je ne sais pas. Mais Pac a décidé, par exemple, de ne pas porter de gilet pare-balles. Et comme tu peux le voir dans les images d'archives, il portait ce soir-là un jersey. Et en plus de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à son garde du corps de ne pas monter en voiture avec lui, mais plutôt de prendre la voiture de sa fiancée de l'époque, Kidada Jones, et non pas Jada Pinkett. D'accord. Pour qu'ils aient une voiture en plus pour le retour à la maison. Pac et Shug Knight montent dans la même voiture, la toute nouvelle BMW 750iL de 96. Tu vois, ils flexaient à la mort. Et le reste du crew était derrière, formant ainsi un cortège Death Row. À 23h, 23h05, Pac et Shug sont arrêtés sur Las Vegas Boulevard par des agents de service de patrouille à vélo du département de la police métropolitaine de Las Vegas. Alors les raisons, le volume de leur radio était un petit peu trop fort. On leur a demandé de baisser le son et aussi, ils n'avaient pas de plaque d'immatriculation. Donc c'est des choses qui étaient en train d'être gérées avec la police et donc ils étaient arrêtés. 23h10, pendant qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge à l'intersection donc de East Flamingo Road et Koval Lane, devant l'hôtel Maxime, un véhicule occupé par deux femmes s'est arrêté à leur gauche. C'était des fans. Donc elles ont crié Tupac, 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 et Tupac se montrait, donc il était sorti de la fenêtre, donc on pouvait vraiment le voir, et il échangeait donc avec les filles. Après quelques échanges avec les femmes, il finit par les inviter en boîte avec eux. Mais 5 minutes plus tard, Katia Blanche débarque à toute vitesse. Elle s'arrête à la droite de Shug, le tireur assis à l'arrière de la Cadillac baisse la vitre, sort une arme et tire à plusieurs reprises sur la BMW de Tupac. Il sera touché 4 fois, 2 fois dans la poitrine, 1 fois dans le bras et 1 fois dans la cuisse. L'une des balles a même pénétré dans le poumon droit de Tupac. Et pour ce qui est de Shug, il a été touché par des éclats de balles un petit peu sur le visage. Mais rien comparé à ce que Tupac a reçu. Voyant tout cela, l'une des voitures qui faisait cortège a quitté le cortège pour poursuivre la voiture qui venait de tirer sur la voiture de Tupac. Ils ont tiré quelques balles contre cette voiture en question, mais elle a réussi à fuir. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que la voiture des filles en question a commencé à poursuivre la voiture des tireurs. Mais après s'être reçu une balle dans la voiture, elles ont tout simplement arrêté. Par peur sûrement, et ce qui est totalement normal. Malgré les blessures de Shug et le pneu crevé de la voiture, il prendra le volant et partira à toute vitesse pour essayer de trouver de l'aide pour Tupac. Ils appelleront les ambulances, la police les questionneront sur la voiture qui a ouvert le feu. Kadhafi, Idi Amin, d'autres membres de Outlaws qui faisaient partie du cortège, qui étaient témoins en fait, qui étaient juste derrière la voiture de Tupac, ont refusé de coopérer avec la police de Las Vegas. Après plusieurs jours en soins intensifs, Tupac décède finalement l'après-midi du 13 septembre 1996. Alors, suite à la mort de Tupac, s'en est suivie une série de représailles terribles sur Compton. Les autorités ont appelé cette période-là les 10 Days War. Il y a eu plusieurs morts, aussi bien du côté des Mob Pyro que des Southside Compton Crip. Alors là, tu peux te poser la question, pourquoi une guerre a été déclenchée à Compton suite à la mort de Tupac? Finalement, Tupac n'était pas vraiment un gang member, même si, d'après ce qui se dit, quelques jours, quelques mois, je dirais, avant sa mort, il a intégré les Bloods. Pourquoi, à ce moment-là, les Southside Crip ont été la cible de plusieurs fusillades? Eh bien, justement, c'est ce que je vais expliquer dans cette deuxième partie. Il y a environ un mois, c'est officiel, la news tombe. On a retrouvé l'assassin de Tupac.
enfin le complice de l'assassinat de Tupac. C'est un certain Kifidi. Il est l'oncle du fameux Baby Lane, aka Orlando Anderson. Donc l'homme qui s'est fait tabasser par Death Row après le combat Mike Tyson-Bruce Seldon. Donc Orlando serait le tireur et Kifidi le complice. Bon, en réalité, ça faisait déjà un petit moment qu'on savait qui était Kifidi et quelle était son implication dans la mort de Tupac. Ça fait déjà 5 ans qu'il donne des interviews un petit peu partout où il parle et reparle de cette affaire-là. Donc les personnes qui s'intéressent un petit peu donc, à cette affaire-là étaient au courant de tout ça. Donc moi, j'avais déjà vu donc, les interviews de Kifidi et je savais qui était Orlando Brown. Mais vraiment, la personne qui a mis ça en lumière et qui a permis à ce que les choses puissent avancer, c'est Vlad TV. Ça a été le premier à faire une interview de Kifidi il y a 5 ans où ce dernier s'appuyait sur le bouquin que Kifidi avait écrit lui-même où il revenait sur toute cette affaire, où il racontait absolument tout en détail. Et en fait, Vlad TV, via l'interview, il a donné une grosse résonance à ce que Kifidi avait déjà avoué dans son bouquin. Et ensuite, la police de LA s'est servie donc de cette interview pour inculper Kifidi. Et donc actuellement, après 3 mois d'investigation du grand jury, Kifidi a finalement été arrêté près de chez lui à Las Vegas, où il vivait déjà depuis 14 ans. C'est quand même un comble hein, qu'il soit retourné vivre à Las Vegas, vous trouvez pas? Enfin bref. Donc comme tu peux le voir, il vivait paisiblement. C'était sûrement une marche du matin, histoire de pouvoir respirer dans un quartier très calme. C'est presque comme si en fait tout ça était derrière lui. Mais finalement, non. Jusqu'à ce jour, Kifidi est en détention et plaide non coupable du meurtre de Tupac. Bon, tout d'abord, qui est Kifidi? En plus d'être l'oncle d'Orlando Anderson, Dwayne Kif de son vrai nom est également un membre important du gang des Southside Compton Crip. Donc très tôt, il était millionnaire grâce au business, d'accord, business de la rue. Il a grandi avec Eazy-E et a fait du football avec Suge Knight. Donc il connaît tout ce beau monde depuis l'enfance en fait. Donc après la raclée que s'est pris son neveu, Orlando va voir Kifidi pour sa vengeance. Au départ en fait, lorsque tu regardes les interviews de Kifidi, il le dit lui-même, il voulait au départ calmer les choses, tu vois, parce qu'il avait conscience que ça allait vraiment entraîner des conséquences terribles pour tout le monde, d'accord? D'ailleurs, il a même suggéré un tête-à-tête entre Tupac et Orlando. Et d'après les propos de Kifi, encore une fois, le plan initial, c'était même d'attendre Tupac et Suge à l'entrée du club et que Orlando et Tupac cassent un tête-à-tête et que les choses se règlent comme ça. Mais comme tu le sais, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Y'all was actually waiting at 662 for Tupac and Orlando can fight, right? Yeah. Tell me about that, because Orlando actually wanted to fight Tupac, right? Yeah, he was going to get his ass knocked out. So Lane had hands. One punch. Oh, for real, he had hands? Oh, hell yeah, like God. Et donc, finalement, il va y avoir une vengeance. Et ce qui se passe, c'est que Kifidi va donner une arme à feu à son neveu pour se venger. Et donc, Kifidi va être la personne qui va se procurer l'arme qui va tuer plus tard Tupac. Détail très important. Et donc, il monte une équipe. Un certain Terrence Howard sera au volant. Kifidi sur le siège avant. Big Dre, alias DeAndre Smith, sur le siège arrière à gauche. Et enfin, Orlando Anderson sur le siège arrière à droite. Alors d'après ce qui a été dit, c'était normalement Big Dre qui devait ouvrir le feu, mais finalement, il se serait dégonflé à la dernière minute. Et c'est donc Orlando qui a récupéré l'arme à feu. He was the one that was supposed to shoot up Tupac and Suge, but for some reason, he wasn't ready for it, so he gave the gun to Orlando, right? Something like that, yeah. Et donc ils sont à la recherche de Tupac et ils sont alertés par la fameuse voiture des deux fans qui ont croisé Tupac et qui se sont mises à crier Tupac, Tupac, Tupac. Donc c'est grâce à ça qu'ils ont pu savoir exactement où se trouvaient Pac et Suge. Et c'est comme ça qu'ils se sont approchés de la voiture et que donc Orlando a ouvert le feu. Et donc, comme je te l'ai dit juste après, petite course-poursuite, et finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Kifidi, encore une fois, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, dit à Orlando de ne surtout révéler ce qui s'est passé à personne, même pas à sa maman, d'accord? Mais en réalité, il va en parler. Il aura beaucoup de mal à garder sa langue dans sa poche. La rumeur va s'ébruiter, et c'est donc à partir de là que les mobs Pyru vont vouloir se venger. C'était donc devenu un secret de polichinelle, donc tout le monde savait exactement qui était l'assassin
assassin de Tupac, d'accord ? Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'a jamais été inculpé ? Alors, il n'y avait tout simplement pas de preuves, parce que la voiture a été repeinte, changée, tout ça. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Et donc, en fait, il y avait tous les éléments pour que cette affaire-là ne soit jamais résolue. En plus de ça, Orlando est mort depuis dans une fusillade, et les trois autres gars, donc Big Dre et Terrence Brown, sont morts également. Donc, en fait, il y avait très peu de gens qui pouvaient témoigner ou apporter des preuves ou quoi que ce soit. Donc, en soi, l'affaire n'allait jamais être résolue. Mais Kiffy D, il y a quelques années, a été arrêté dans une grosse affaire de trafic de PCP. Il risquait la prison à vie. Et les autorités, en fait, lui ont proposé un deal. Et le deal, c'était simple. En fait, il avait un proffer agreement. Alors, c'est quoi le proffer agreement? Alors, c'est tout simplement un accord te permettant d'avouer absolument tous tes crimes pendant une journée. Tu peux tout dire pendant cette journée sans être inculpé à la fin, d'accord? On appelle aussi cet accord Queen for a Day, ok? Et tu me diras à quoi sert exactement cet accord? Eh ben, certainement pas inculper la personne qui va avouer tous ses crimes. Je pense, en réfléchissant un petit peu, que c'est un moyen de pouvoir aussi donner les personnes qui sont associées à toi, donc tout simplement les balancer. Et l'idée pour les forces de l'ordre, c'est d'attraper, entre guillemets, un poisson plus gros, tu vois? Parce que peut-être que Kiffy D n'était pas le chef des opérations à ce moment-là, mais le fait qu'il révèle absolument tout, il va pouvoir donner quelqu'un de plus gros. Et donc, ce serait un moyen pour eux de faire tomber toute l'opération. D'accord ? Donc, Kiffy D peut rester dans la nature, mais il donne absolument tout le monde. Moi, c'est mon avis. Donc, il révèle absolument tout. Et parmi les choses qu'il va révéler, eh bien, il va expliquer qu'il a été complice de l'assassinat de Tupac. Il y a même des audios qui circulent. And then, you know, Tupac's busy getting shot. Evidently, the story is Tupac's trying to either get out of the back seat or something. Yeah, what do you see happening inside their car? I seen a bullet going Suge's head. I thought he was dead. I thought he was dead. So Orlando shot him this car across Dre? He leaned over on the window, he rolled down the window, popped. Et comme je te l'ai dit un peu plus tôt, cet accord de coopération n'est valable qu'une journée. Mais en fait, c'est comme si Kiffy D n'avait pas vraiment compris ce qu'il en était. Et il va en parler à nouveau, notamment dans son bouquin. Et dans de multiples interviews après ce bouquin. Vlad TV, mais après il va y en avoir avec Art of Dialogue, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas aux États-Unis de délai de prescription pour un meurtre. Donc, lorsqu'il en parle comme ça, ça donne de nouveaux éléments aux autorités et ça leur permet de pouvoir connecter les différentes dots. Parce que là, en fait, le seul truc qui peut permettre, en réalité, de résoudre cette affaire, c'est qu'une personne balance, tu vois. Et Kiffy D s'est auto-balancé à plusieurs reprises. Et comme tu le sais, probablement, la justice avance lentement. Ça leur a fallu 4 ans à peu près pour, justement, l'arrêter. Donc voilà pourquoi ça a pris autant de temps. Alors, j'ai évoqué un détail tout à l'heure, c'est qui est-ce qui a donné l'arme à Kiffy D. Et dans cette dernière partie, on va essayer hypothétiquement de savoir qui est cette personne. Alors, suite à la mort du rappeur légendaire, de nombreuses théories du complot ont commencé à pulluler. Alors, il y en a eu plusieurs. D'abord, Tupac s'est fait tuer par la CIA. Ça a été le truc qui a tourné pendant très longtemps. À titre personnel, quand j'étais enfant, j'y ai cru, tu vois. Je me suis dit, effectivement, Tupac, c'était un révolutionnaire. La CIA l'a tué. Mais au fur et à mesure, avec le temps, lorsque tu commences vraiment à t'intéresser au personnage, ce qu'il représentait, tu te rends compte que c'est un entertainer. Il disait quelques vérités, mais c'était pas JFK, d'accord ? Ensuite, il y a la deuxième option, c'est Chuck Knight l'a tué. Ça aussi, ça a été une rumeur qui a énormément couru, mais à titre personnel, j'y ai jamais vraiment cru, simplement parce que j'ai toujours eu l'impression qu'ils avaient de beaux liens, enfin, ils avaient l'air d'être très proches, d'accord ? Et en plus de ça, ça me paraissait totalement ridicule de vouloir assassiner un type et d'être présent dans la voiture avec lui et de risquer de soi-même prendre une balle ou deux, sachant que le bonhomme est assez costaud, il a des chances de s'en prendre. Je pense que Chuck Knight, dans ce cas précis, ça a été d'ailleurs un miraculé. D'ailleurs, Kiffy D explique que lorsqu'ils sont mis à canarder la voiture, Chuck Knight a essayé d'aller à l'arrière, il sautait un petit peu partout, etc. Bref, il était paniqué, ce qui est totalement normal. Donc cette théorie-là, j'y crois pas. Par contre, la troisième théorie, comme quoi Diddy serait le commanditaire du meurtre, c'est pas déconnant. C'est pas une théorie totalement fumeuse. Alors, parlons-en.
Alors comme je te l'ai dit un peu plus tôt, Kifidi était un creep très important, tu vois. Il était en quelque sorte avec Orlando Anderson, son neveu, en charge des relations, des affaires étrangères, du gang, d'accord ? Donc c'était un petit peu eux qui échangeaient avec des gens en dehors du gang, les célébrités et compagnie. Et ça, c'était parce que Kifidi faisait énormément d'argent, il était dans le trafic, etc. C'était quelqu'un de relativement connu et respecté dans son milieu. Et en tant que ministre des Affaires étrangères des Southside Crip, il avait aussi connaissance des artistes qui venaient à Los Angeles, à Compton, et qui avaient besoin d'une sécurité. Et dans ce cas précis, Bad Boy avait besoin d'une sécurité, ok, quand il venait à LA. Et c'était Kifidi qu'on contactait. Tout naturellement, vu que Death Row était en guerre avec Bad Boy, la fameuse guerre East Coast-West Coast, et comme Death Row était dirigé par un Mob Pyru, et qu'il y avait surtout des Mob Pyru dans le label, ainsi que des flics à la retraite et des flics en service. Très intéressant comment Chuck Knight gérait ses affaires d'ailleurs. Leurs ennemis naturels, les Southside Crip, ne pouvaient qu'être des alliés évidents dans cette guerre. Donc les Southside Crip faisaient la sécurité de Bad Boy lorsqu'ils étaient à Los Angeles. Puffy's really concerned about, you know, the welfare is his safety, and he tells KFD, man, I just need you to take care of this situation with Suge and Tupac. It's out of control. Tupac's on vinyl talking about killing all of our kids when they grow up, and it's just become this really serious conflict. And he says, I just need to take care of him. And KFD's like, that's no problem. That's what we do. L'un des anciens gardes du corps de Puff, qui d'ailleurs donne beaucoup d'interviews, et d'ailleurs ces interviews, elles sont... En fait, il donne tellement des infos intimes sur la vie de Diddy que ça me met mal à l'aise. Il révèle absolument tout. Je suis sûr qu'il a un contentieux sérieux avec Diddy, et c'est pour ça qu'il a décidé de tout révéler. Et parmi les choses qu'il a révélées, il explique que Kifidi connaissait Puff, d'accord ? Ils se connaissaient d'avant, ils avaient des relations amicales, il les a vus à plusieurs reprises ensemble. Bruh. I witnessed, they did have a relationship. Kifidi, I've seen them on a number of times. They were gambling together. They were drinking together. They had fun. They was hanging out in hotels. Yes, they did have a relationship. Par exemple, ce qu'il a révélé, c'est qu'il surveillait la chambre d'hôtel de Puff lorsqu'il faisait des partous avec d'autres rappeurs. Enfin, tu vois, c'est des trucs dont, voilà, on se doute que Diddy aime bien faire la fête, mais là, c'est vrai que c'était un petit peu étonnant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'avais pas prévu de vous en parler là. Je connais quelqu'un qui travaille dans le monde des médias à LA, et on parlait une fois, il y a quelques années, et il a travaillé chez Revolt, vraiment au tout début de Revolt. Donc, il a vraiment vu la chaîne se construire, et il a eu l'occasion d'aller très souvent chez Diddy. Il a eu l'occasion d'être avec ses enfants, de fréquenter Diddy dans un cadre relativement intime. Et d'ailleurs, même, il était à la fameuse soirée où Diddy s'est bagarré avec J. Cole. Voilà, c'est pour la petite histoire. Et étant donné qu'il a passé énormément de temps avec Diddy, je lui ai posé une question très directe. Est-ce que Diddy, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur sa sexualité? Il y a eu pas mal de choses qui ont tourné sur lui, notamment qu'il aimait bien faire la fête, notamment avec Fabulous. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette vidéo, mais il y a une vidéo pendant une interview de Drake Champs. Diddy avait beaucoup bu et il dit à Fabulous, ouais, on a jamais vraiment fait la fête ensemble. Non, mais je te parle de la fête, fête. Did you miss me though? For real, because we, I'm saying, miss, it seems like a thing. I miss this birthday party. Puff, man. Man, but I'm talking about Puff. For your birthday. Huh? Why won't you party with me for your birthday, man? We party for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? Et en fait, les gens en ont déduit que Diddy aimait à la fois la glace à la vanille, mais la glace au chocolat aussi, si tu vois ce que je veux dire. Lorsque je lui ai posé la question, est-ce que Diddy aime les hommes aussi, au même titre que les femmes, il m'a répondu, Neg, Diddy loves life. Et donc, Kifi n'était pas le seul à être connecté directement à Puff. En fait, il y avait un autre homme qui était encore un peu plus proche de Puff et qui était très conscient des tourments, on va dire, du boss de Bad Boy et qui était aussi proche de Kifidi, d'accord? Lui, il était vraiment au milieu. C'était un gros gangster et son nom, c'est Eric Von Zipp. Et apparemment, ce serait cet homme qui aurait donné l'arme à feu à Kifidi, qui a permis ensuite à Orlando de tuer Pac. Et d'après ce que Kifidi aurait entendu de la part notamment de Eric Von Zipp, c'est que Puff n'en pouvait plus de Tupac, de Death Row. Tupac venait de sortir le clip de Hit 'Em Up, ça tournait partout, il n'en pouvait plus. Et il disait, hey, je vous donne 1 million et vous me débarrassez de Tupac et de Shug, là, j'en ai marre d'eux. Et maintenant, ce qu'il peut se dire, c'est que peut-être qu'il a dit des choses comme ça. Il n'en pouvait plus, c'était ses ennemis. Donc voilà, il a dit, vas-y, je vous donne 1 million et vous me réglez ça. Ou alors peut-être qu'il mettait vraiment la tête de Pac à prix. En tout cas, ce que Kifidi rapporte, c'est que après qu'Orlando se soit fait tabasser par Tupac, Eric Von Zipp
est venu avec l'arme à feu et il lui aurait dit « Let's get this money ». Donc, peut-être que, au lieu justement de faire ce fameux tête-à-tête qu'ils avaient prévu, ils ont plutôt décidé de prendre une arme à feu et d'aller au bout de cette vengeance et de récupérer les 1 million de dollars. Et d'après ce qui se dit, une fois que Tupac a été tué, Eric Van Zipp aurait touché 1 million de dollars. Et au lieu justement de répartir cette somme avec Orlando, Tiffy D et les autres, il aurait gardé cet argent. Il aurait acheté un club avec ça. Maintenant, ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que Eric Van Zipp est mort, lui aussi. Eh ouais, donc ça va être très compliqué d'avoir un témoignage de sa part. Donc, encore une fois, il y a une zone d'ombre là. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, quels ont été les échanges entre Puff et lui. Et ce que Kiffy D dit en tout cas, c'est qu'il n'a pas touché un rond pour ce qui s'est passé. Il n'a même pas reçu des saps Sean John. Et ça, il le dit ouvertement dans les interviews, tu vois. Même s'il n'a jamais dit clairement que P. Diddy l'aurait encouragé à faire ce meurtre, eh ben, il a quand même donné des éléments nous laissant penser finalement que Diddy aurait commandité ce crime. Donc c'est pour ça que c'est pas déconnant en fait, il y a tous les éléments finalement. Puff aurait toutes les raisons de vouloir tuer Tupac. Au point de vue de fan, encore une fois, moi j'observe, c'est tout. Il avait l'argent et il avait les connexions et ils avaient en quelque sorte le même ennemi. Donc c'est pas fou finalement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que lorsque Kiffy D a été arrêté, il a promis qu'il ne serait pas le seul à tomber. Et lors d'une interrogation, il a d'ailleurs déclaré que Diddy avait mis la tête de Tupac à prix. Bien sûr, 50 Cent en a fait un post. Maybe I said this to my brother because he got Tupac here. Eminem en avait déjà parlé dans un clash, notamment dans le clash contre Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, pour ceux qui ne savent pas, il était initialement signé chez P. Diddy. Et Diddy, c'était en quelque sorte son protégé, tu vois. Donc quand il le clash, il en profite pour sortir ce petit bail. Et donc cette théorie n'est pas dingue du tout. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, au vu de tous les éléments, si la police de Los Angeles ou de Las Vegas, plutôt de Las Vegas parce que ça s'est passé là-bas, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, ne décide pas à un moment donné d'investiguer plus en profondeur dans cette affaire du côté de P. Diddy, et s'il n'est pas mis en examen à un moment donné, je vais trouver ça assez curieux parce qu'il y a quand même une personne qui était présente qui a quand même désigné Diddy comme étant l'un des commanditaires. Mais en tout cas, ce qui est clair lorsque tu regardes sur les réseaux sociaux, t'as pas l'impression que Diddy et inquiété de quoi que ce soit. Il vient de fêter plutôt bien Halloween avec un costume de Batman assez dingue, donc on verra ce que ça donne dans les mois à venir. Et moi, j'ai une question assez directe à te poser. Est-ce que tu penses que Puff est le commanditaire du meurtre de Tupac? Dis-moi tout en commentaire. Donne-moi aussi des éléments sur cette affaire que je n'ai pas cité dans ma vidéo, histoire de partager aux gens. J'ai pas voulu tout dire parce que ça allait faire une vidéo à rallonge, mais on a déjà tous les éléments principaux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si dans quelques années, P. Diddy est condamné pour le meurtre de Tupac, waouh, je serais pas choqué, mais ce serait une dinguerie. Bref, voilà pour ce qui est de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. Faut savoir que ça donne de la force à mort de faire toutes ces choses-là. Surtout à une époque où les vidéos longues sont de moins en moins encouragées, parce que les contenus courts, c'est quelque chose qui marche le mieux. Quand vous likez et vous commentez comme ça, vous encouragez les créateurs de contenu à continuer à faire des vidéos longues, détaillées, etc. Voilà. On commence à être une espèce en voie de disparition, hein. Donc protégez vos créateurs qui aiment se casser la tête comme moi. Donc like, commentez, partagez, abonnez. Toi aussi, très important, il faut vous abonner. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list. Comme d'habitude, on a beaucoup de surprises, des mails business, des événements, formations, etc. Ça arrive, ce sera pour début 2024. Donc soyez présents dès maintenant, inscrivez-vous un maximum. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Et sinon, suivez-nous partout. Instagram, Twitter, TikTok, tous les liens sont dans la description. Et enfin, NordVPN, c'est le retour. Abonnez-vous, faites-vous plaisir, allez-vous mater des séries, des ce que vous voulez grâce à NordVPN. C'est le meilleur VPN du game. Il n'y a pas match. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. C'était Chris, aka Major, pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers.